je vous donne vos badges et vous prenez vos cordons. Comme chez les grands, ils ont leurs accréditations et un programme bien particulier à deux pas du Palais des Festivals, 22 collégiens et une mission. On est fiers d'être jury et c'est une grande responsabilité. Jury d'écran junior, en une semaine, ces collégiens vont voir 8 films en avant-première, avec, comme au vrai festival, l'équipe pour leur présenter. Pour l'ouverture, c'est quoi cette mamie, avec Julie Gaillet et Chantal Latsou. Pour nous, c'est un premier test, c'est très très émouvant. Puis c'est surtout que voilà, le film il est vraiment fait pour ce public, les enfants. Donc oui, on est très émus. Pour le film, c'est aussi la première projection en public. Une heure et demie plus tard, un test plutôt réussi. Les enfants trichent pas. Les enfants, quand ils trichent pas et quand ils aiment, ils aiment. Un autre film, une autre salle, dans la sélection qui leur est proposée, 8 longs métrages venus du monde entier, certains plus exigeants. Le jeune jury des congénieurs vient d'une classe de 3e spécialisée cinéma. Ils ont appris à décrypter un film et à chaque séance peuvent aussi poser des questions. Est-ce que c'est une expérience que vous garderez et qui vous a enrichi au niveau de votre carrière d'acteur ? Chaque projection est ensuite suivie d'un débat où ils ne sont pas toujours tendres. Quand on y réfléchit bien, une fois que le film il est terminé, il y a vraiment des choses, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais il y a des choses qui ne vont pas en fait. Il faut savoir être franc et dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est une petite pression quand même, parce qu'on décerne un bon prix quand même, et on ne doit pas décevoir les gens quoi. Le prix des collégiens sera remis samedi. Le film vainqueur d'écran junior reçoit 3 000 euros pour aider à sa promotion.